Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire la fin du display S5R que vous voyez. J'ai très hâte de savoir parce que normalement il nous manque la secrète. Donc on va ouvrir tout ça et bien sûr comme pour le display rouge, je vous ferai à la fin un récap de tout ce qu'on aura eu sur les trois vidéos, enfin oui, si, trois vidéos de S5R. Donc on va commencer tout de suite, il nous reste 10 boosters, donc j'ai hâte de savoir. Donc c'est parti les amis, on va tout de suite ouvrir ça pour enlever ce suspense qui est insoutenable. Alors, un petit scolcendre, scalpion, ceribou et... Oh, Victini V, ça commence. Normalement, on a beaucoup... il manque mes sleeves. On a normalement, il nous manque quelques VV Max, dont bah, du coup la petite Victini, qui est magnifique. Je la mets sous sleeve et je vous remontre ça tout de suite. Tac, la voici. Elle est trop belle, j'aime trop. En vrai, elle est canon. Elle est super belle. Donc du coup, on va se la laisser là. Ça, je mets de côté et on va continuer d'ouvrir. Hop, alors c'est parti. Coléodome, Vortente, il me semble, Onyx et bien non. Allez, 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 la secrète va tomber comme ça, je vais pas m'en rendre compte, je sens. Alors, on continue et... Bon bah voilà, suffisait de la demander. Voici la secrète, donc du coup Necrozma. Waouh, elle est splendide. Elle est splendide. Oh là là, et la sensation sur les doigts. Oh, c'est trop... Elle est trop belle, regardez-moi ces couleurs là. C'est sublime, c'est sublime. Trop trop beau, trop contente d'avoir des trucs comme ça quoi, c'est ouf. Bon bah voilà, on a la secrète, je sais pas ce qu'il nous manque autre, je vais même pas regarder. Peut-être une VMAX, faut voir, c'est peut-être pas terminé, parce que je sais que dans les deux autres on n'avait pas eu grand chose. Donc là normalement tout doit être par ici, et oui oui tout est par ici, regardez-moi ça, cette ouverture de dingue. On a la V de Chifourse. Ouh, yes, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. La V de Chifourse qui est magnifique. Franchement, franchement, cette série est vraiment très très belle. Vraiment, j'en suis pas du tout déçue. Surtout sur Chifourse, c'est une trop bonne idée quoi, d'avoir fait une série sur lui. C'est une trop bonne idée, attention. Eh bien non, Monsieur Glaquette. Je pense qu'il doit nous rester des holos. Ou alors on les a tous vus. Oh là là, j'en sais rien. J'ai même pas regardé par rapport à ce qui nous manquait. Oh là là, je suis nulle, je sais. Bon, allez. Ouh, c'est parti, petit Onyx. Ce hibou. Eh bien non, c'est Cornelia. Bon, au moins on aura normalement presque toute l'extension complète. Donc je parle réellement des 70 cartes. Pas ce qu'il y a au-dessus, hein, pas les secrètes. Je parle pas des secrètes parce que avoir toutes les secrètes, c'est assez complexe. Mais oui. Je le voulais absolument, je le trouve trop belle, Pangoléon. Elle est trop trop belle. Oh non, je suis trop contente. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Oh, c'est trop bien. Je suis trop trop contente, trop heureuse de l'avoir eue. Franchement, trop nice. Trop trop nice, elle est trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Non mais regardez-moi cette pioche, franchement. En fait, tout est là. Tout est resté dans les derniers boosters, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Fallait demander. Oula. Je l'ai foutu par terre. Oups, je
prends à l'envers. Petite Kaorin. Eh bien non. Oh non, pas d'Antichrist là. Oh, bon, bah, but. Bon. Bon, c'est nul. C'est nul. L'énergie là, c'est trop nul. Alors. Attends, mais je les prends moi à l'envers. Oh là là, j'ai trop hâte de savoir tout ce qu'on a eu. Oui. Mais en vrai, tout est là. Tout est là. C'est encore une V. Oui, V de Necrozma. Nice, mais nice, trop nice. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça y est, je deviens folle. On va se calmer, Margot. Oh, mais j'ai toutes les V que je voulais, c'est trop bien. Il nous reste une VMAX là, peut-être? Non, je sais pas. Je sais plus s'il nous manquait des VMAX ou pas. Si je pouvais avoir la VMAX de Chifour. Alors. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Oh, merde. Bah, j'ai fait quoi? Bah, je me suis loupée. Bah, du coup, c'est l'holo du Naconda. Mais je me suis loupée. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas fait le tri? Ah, j'ai peut-être pas fait le tri. Bon. Bon, sur 10 boosters. Bah. Voilà. Tout est dit, hein. Sur 10 boosters, on a 4 V, une full art secrète et une holo. Voilà. Que demander de mieux? Rien. À part dire que cette extension et l'extension rouge, donc S5i, est sublime. Les deux sont sublimes. Vous l'aurez en EB5 regroupé. Mais nous, on a eu deux extensions et franchement, c'est parfait. C'est parfait. Elles sont trop belles. Regardez-moi ces cartes. Je vous remonte la secrète. Parce que quand même, faut la voir. Elle est vraiment trop trop belle. Je suis trop contente d'avoir eu celle-ci, quoi. Elle est trop belle, elle est trop belle. Bon, par contre, du coup, comparé à S5i, on était sur un display classique, donc avec une secrète full art. Voilà, mais ça fonctionne bien, hein. Du coup, c'est nickel. Bref, je vous fais le récap tout de suite. Les amis, nous voici pour le récap. Donc, pour le récap, on a eu notre holo d'Unaconda qu'on a eu tout de suite. La petite Stylix. Encore d'Unaconda, donc on l'a en double à échanger, du coup, je viens de m'en rendre compte. Petite Astronelle en holo, Octillery en holo, Hyporoi en holo, qui est vraiment sublime, sublime de chez sublime. Ça c'est Tokotoro, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est l'évolution de ce hibou, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bref, voilà, donc on a eu au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holos. Voilà, donc 8 holos. Hop, que je vous mets là. 8 holos, donc je crois qu'on en a eu une de plus que le premier display, faudrait que je vérifie. Après, on a eu une V de Necrozma. On a eu la V de Pingoléon. On a eu la V de Chifourse et enfin la V de Victini. Donc tout ça, ça nous fait 4 V, ce qui est égal à S5i. Donc tout va bien. Là, on a eu la VMAX de Victini et on a eu la magnifique VMAX de Corvaius. Vraiment, je la trouve trop 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 belle. Elle est trop trop canon. Voilà, donc ça c'est les deux VMAX. Donc pareil que pour le premier display. Et on a eu notre secret de Necrozma, encore une fois, qui est magnifique. Donc du coup, on est sur un display classique, en fait, avec la full art en secrète. Nos 2 VMAX, nos 4 V, et puis les holos. Et franchement, nickel, j'ai eu les cartes que je voulais. Il me manque peut-être, je sais plus si c'est dans ce display-là ou pas, la Luxray holo, qui est genre sublime. Mais du coup, je peux peut-être l'échanger contre la Dunaconda, faut voir. Et après, qu'est-ce qui me manquait qui était pas mal? Si, bah la V de Corvaius, j'aurais bien aimé l'avoir pour compléter parce que j'adore Corvaius, je trouvais il est trop beau comme oiseau. Bref, du coup voilà, sur cette série, voilà ce qu'on a pu avoir, enfin sur ces deux séries couplées, voilà ce qu'on a pu avoir. Je pense m'arrêter là en termes de display et acheter les cartes à l'unité parce que bah il y a d'autres displays là qui arrivent qui sont encore magnifique de chez magnifique.
Normalement, je devrais recevoir un colis dans pas longtemps. Je l'attends toujours. Il est en préparation depuis une semaine. Je me demande ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Et du coup, vous aurez d'autres ouvertures. Et il reste la petite box qui est là. Voilà, là. Qu'il faut que j'ouvre avec vous. Donc, on verra ça pour la semaine d'après. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Et ciao !